Le tournoi national Atome Desjardins de Lévis est un endroit parfait pour rencontrer la jeune relève de notre sport national. Chez les Panthers de Lakeshore, on retrouve un nom familier et fort connu. Connaîtra-t-il la carrière de son père? Personne ne peut le dire. Toutefois, Denver Danfous est un jeune homme fort sympathique et terre à terre. Je joue au hockey depuis que j'ai 3 ans. Qu'est-ce que t'aimes du hockey? Mais c'est un sport. J'aime ça parce que c'est un sport d'équipe. On joue en équipe, puis c'est le fun d'avoir des amis que tu vois au moins deux fois par semaine. Puis c'est le fun d'avoir un bon coach qui t'apprend bien, puis d'avoir un bon coach. Tu es le fils de Vincent Danfous. Est-ce que tu lui demandes des conseils des fois à ton célèbre père? Oui, parce que des fois, je fais des erreurs dans le match, puis ça m'apprend beaucoup d'améliorer. C'est bon d'améliorer tes erreurs. Est-ce que tu lui parles de hockey en général avec lui ou à la maison, vous parlez de d'autres choses? On parle de d'autres choses, des choses de famille. Lors de ce premier affrontement, les bataillons de Montmorency devaient se mesurer aux Panthers, classé numéro 1 en province. Un beau défi attendait la formation dirigée par l'ex-Olympique de Hull, Éric Lavigne. On essaie toujours de motiver nos jeunes que c'est eux autres les meilleurs. Puis qu'une défaite, quand ça arrive, bien, c'est pour l'autre équipe, bien, c'est nous autres qui vont essayer de leur donner la semaine passée. La semaine passée, on a battu une équipe qui n'avait aucune défaite encore. Fait qu'on garde la même motivation, les entraîner d'un jeu d'équipe puis qu'ils travaillent fort. Pas de trop ça, diriger au niveau Atome? J'adore ça, regarde, ça fait des années que je coach mes enfants. Ils ont commencé maigre, puis là, j'ai 3 garçons, j'ai coaché les 3. C'est un plaisir, c'est le fun de montrer ce qu'on a appris par des anciens entraîneurs. Alors, c'est fantastique, des beaux moments. Le choix de deuxième tour des Capitals de Washington en 91 explique son style. Très intense. De la même manière que je jouais, j'aime ça que les jeunes foncent sa rondelle, qu'ils jouent en équipe. Tu protèges les tiens. J'essaie de leur promettre que c'est un sport d'équipe puis que c'est pas. On joue pas au hockey pour le futur, jouer dans le national. On joue pour plus tard dans la vie, quand on va aller travailler, ben, tu bottes les fesses pour y aller. Dans le fond, mais aussi, c'est de jouer au hockey pour s'amuser parce que c'est quand même des kids de 9-10 ans. Oui, oui, c'est assuré. Regarde, moi, c'est là, il faut avoir du fun. C'est sûr que je suis un coach très intense. En arrière d'un banc, je crie après eux autres pour leur donner comme le 7e joueur des poussées. Mais après une game de hockey, ben, le jeune, je veux qu'il sorte avec le gros sourire, gagne ou perd. Il faut qu'il ait eu du plaisir et qu'il ait donné son maximum. Et donner leur maximum, c'est ce qu'ont réalisé les bataillons en se rendant en quart de finale.